Nous allons parler un peu de la grâce. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Bien-aimé, Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. J'ai pas entendu ton amen. Hein? Ou bien tu ne veux pas devenir riche. Il dit, Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Dis amen. C'est pourquoi ce matin je décrète et je déclare que tu es riche par la grâce de Dieu. Il dit, tu es riche par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Je prophétise sur ta vie. Il dit, cette année, tu es riche par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lève la main et dis, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce de ce que tu as pris ma pauvreté. Tu m'as donné ta richesse. Merci de ce que désormais tu me délivres de la mentalité de pauvreté. Tu me fais posséder en abondance afin d'être une source de bénédiction. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour cela. C'est une grâce. Alléluia. Écoutez, Jésus s'est appauvri pour nous, c'est-à-dire pour toi et moi. Bien-aimé, quand la Bible dit comme ça, il ne s'agit pas d'un jeu de mots ou bien, je ne sais pas, d'une figure de style. Encore moins, bien-aimé, d'une expression idiomatique ou bien une tournure idiomatique. Non, 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 non. Il s'agit de l'expression de la sagesse divine. Il dit quoi? L'expression de la sagesse divine. Il s'agit de la révélation de l'amour de Dieu. Il s'agit de la manifestation de ce qu'on appelle le principe de l'échange divin. Ou on dirait encore la substitution divine. L'échange divin, c'est lorsque c'est le fait de mettre quelqu'un ou quelque chose à la place d'une autre personne ou d'une autre chose. Mettre quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre. Ou bien mettre une chose à la place d'une autre chose. Par exemple, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit, celui qui n'a point péché, il a fait devenir quoi? Péché. Afin que nous devenions quoi? Justice. Kemosa, Rimosa, Lekata. Fils, viens. Bon, tu es Jésus. Moi, je suis homme, n'est-ce pas? Le principe de la substitution, c'est quoi? Jésus vient ici, voilà, et puis moi, je vais là. Premièrement, moi, j'étais là-bas, n'est-ce pas? Dans le péché, dans la pauvreté, dans le manque. Et Jésus était ici, dans la justice, dans l'abondance, dans la grâce. Et puis, Jésus choisit délibérément de faire quoi? De prendre ma place, pour que moi, je prenne sa place. Désormais, je ne suis plus dans le péché. Je ne suis plus dans la pauvreté, je ne suis plus dans le manque, je ne suis plus dans l'insuffisance, ni la pénurie, mais je suis dans la grâce, je suis dans la justice, je suis dans la richesse, je suis dans l'abondance. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Et acclame le Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu est prêchée premièrement, bien aimé, pour que notre mentalité soit renouvelée. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. La plus grande transformation qu'un homme peut subir, bien aimé, c'est pas quand il a des diplômes ou bien quand il a fini son cursus. Non, la plus grande transformation, c'est lorsque la mentalité de la personne est quoi? Changée, renouvelée. Ce matin, je prie que la grâce de Dieu qui enrichit soit ta portion. Je dis la grâce de Dieu qui enrichit soit ta portion. Donc, bien aimé, selon le principe de l'échange divin, un innocent prend la place d'un coupable. Ici, qui est l'innocent? C'est Jésus. Qui est le coupable? C'est nous. Donc Jésus l'innocent a pris ta place, toi le coupable. Et toi le coupable, tu as pris la place de Jésus l'innocent. Écoutez, le Seigneur de gloire, quelqu'un dit à moi le Seigneur de gloire. Il s'est abaissé jusqu'au bas niveau. Et par sa pauvreté, c'est-à-dire par cet abaissement, nous avons été enrichis au-delà, bien aimé, de toute mesure. Écoutez, la richesse dont il s'agit ici, ça va au-delà de la prospérité financière. Non, c'est plus que ça. Tout à l'heure, je vais vous dire. Ça va au-delà de l'argent. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent. La grâce est une richesse. Bien-aimé, l'approbation divine est une richesse. Vous savez, le fait que Dieu t'aime là, c'est une richesse. Quand Dieu t'aime, bien-aimé, les autres peuvent tomber, ne pas se relever. Mais toi, tu tombes, tu vas te relever. Quand Dieu t'aime, bien-aimé, le Covid peut frapper. Les gens vont mourir, mais toi, tu es un survivant. Quelqu'un dit amen. C'est une richesse incommensurable. On va y revenir. Donc Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons quoi? Riches. C'est-à-dire il a pris sur lui, bien aimé, non seulement les péchés de ce monde, mais aussi et surtout les conséquences du péché, parmi lesquelles la pauvreté. Il a pris non seulement les péchés, mais il a pris aussi les conséquences du péché. Bien aimé, la pauvreté est une conséquence du péché. La pauvreté n'existait pas. C'est quand l'homme a péché que la pauvreté a été introduite.
dans le monde. On est d'accord? Donc la pauvreté est une malédiction. La pauvreté est quoi? Voilà. La raison pour laquelle tout chrétien doit rejeter la pauvreté. Dis avec moi, je rejette la pauvreté. Écoutez, un chrétien peut être pauvre. Il peut même vivre dans la pauvreté. Mais c'est à cause de l'ignorance. Il peut être pauvre, vivre dans la pauvreté, alors que spirituellement bien-aimé, il n'est plus pauvre du tout. Parce qu'il a fait quoi? Il a un héritage en Christ. On voit beaucoup de chrétiens qui sont pauvres. C'est l'ignorance. Parce que tu as un héritage en Christ. Jusqu'à ce que je finisse, tu vas changer d'avis. Alléluia. Non? Un héritage en Christ. Jésus est mort pour ça. Jésus m'a étonné quand, pour certaines choses, nous sommes en train de pleurer. Un chrétien est riche. J'ai dit, un chrétien est quoi? Riche. Tout t'appartient. J'ai dit, tu es riche. Parce que, bien aimé, notre richesse, ce n'est pas un compte en banque. Si tu as une affaire en justice, bien aimé, tu ne connais personne, tu n'as pas d'argent. Les gens connaissent des gens. T'as dit, ceux qui sont à qui tu es opposé connaissent des gens. Ils ont de l'argent. Bien aimé, tu peux mobiliser la faveur de Dieu en ta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, tu es riche. Le chrétien est riche. Hein? Dis à ton voisin, moi que tu vois là, je suis riche. Hein? Il faut le lui dire bien, dis-lui bien. Tu es riche, je suis riche. Amen. C'est pourquoi refuse la vie de pauvreté. Rejette la vie de manque. Ne vis pas, bien aimé, comme une victime. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Dis amen. Retourne à la parole de Dieu. Informe-toi, bien aimé, sur les richesses en Christ. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Ce matin, que toute forme de connaissance soit liée et réduite à néant au nom de Jésus. Refuse de marcher dans l'ignorance. Marche de la connaissance de ton héritage en Christ. Quelqu'un dit amen. Bien aimé, Jésus a renoncé à tout pour que toi et moi nous ayons tout. Dis avec moi, j'ai tout pleinement en Christ. J'ai pas entendu. J'ai tout pleinement en Christ. Tu as tout pleinement en Christ. Amen. Bien aimé, Jésus a renoncé à tout pour que toi et moi nous puissions avoir tout pleinement en lui. La pauvreté n'est pas pour toi. Le manque n'est pas pour toi. L'insuffisance n'est pas pour toi. La pénurie n'est pas pour toi. Ton amen est faible. Hein? La disette n'est pas pour toi. Vous savez, la parole, c'est par la parole que nous créons. Donc quand je dis une parole, tu dis amen, tu casses les chaînes de la pauvreté. Tu casses les chaînes du manque. Tu casses les chaînes de l'insuffisance. Pour te maudire, il suffit de prononcer une parole. Pour te bénir, c'est la même chose. C'est une parole pour prononcer, pas une autorité. Or, ce matin, je me tiens à l'autel de Dieu. Je suis une autorité. Amen. Il dit, la pauvreté n'est pas pour toi. Le manque n'est pas pour toi. L'insuffisance n'est pas pour toi. La pénurie n'est pas pour toi. La disette n'est pas pour toi. Quelqu'un dit amen. Et acclame le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, après la nouvelle naissance, la pauvreté devient une chose inacceptable pour le chrétien. C'est comme la maladie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la maladie n'est plus une chose acceptable. C'est la même chose, la pauvreté aussi. Ce sont les conséquences du péché. Comme tu n'es plus pécheur, alors ce n'est plus acceptable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je suis assez clair? Je sais qu'il y a des gens, bien aimés, qui croient que les chrétiens doivent vivre dans la pauvreté. Mais tout ça là, bien aimé, c'est un manque de compréhension. C'est tout. C'est l'ignorance. Quand tu enseignes, les gens disent non, mais vous êtes des partisans de l'évangile de la prospérité. Mais l'évangile lui-même là, il est prospère. Amen. L'évangile est prospère. Amen. C'est pour nous sortir, bien aimé, du manque, de l'insuffisance, de la pauvreté, pour la prospérité que Dieu nous a sauvés. Le fait, bien aimé, d'éviter la mort éternelle pour la vie éternelle, c'est la prospérité. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Moi, je ne sais pas. Même l'ONU combat la pauvreté. Non, ce n'est pas toi qui es chrétien qui va accepter la pauvreté. Amen. Quelle est la branche de l'ONU qui combat la pauvreté? Le quoi? PNUD, non? Et puis quoi encore? Le PAM, tout ça. Ils combattent la pauvreté. Même les hommes dans l'organisation combattent la pauvreté. Ce n'est pas toi, chrétien, qui va accepter la pauvreté. Faut pas accepter la pauvreté. Regardez, la pauvreté c'est quoi? Le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Le dictionnaire dit que la pauvreté c'est le fait de n'avoir que peu ou pas d'argent, de biens ou de moyens pour subvenir à ses besoins. Le fait d'avoir peu ou pas. Mais vous savez, ce n'est pas totalement vrai. C'est vrai en partie. La pauvreté n'est pas l'absence d'argent ou bien des choses nécessaires à la vie. Non. Le mot grec qui donne pauvreté en français c'est poukos.
Et Poukos, c'est quoi? Il signifie non-productivité. Donc pour Dieu, bien-aimé, être pauvre, ce n'est pas le fait de ne rien avoir, mais c'est le fait de ne pas produire. Le fait de ne rien faire. Quand tu fais rien, tu seras pauvre. Si tu fais quelque chose, tu ne peux pas être pauvre. Amen. Quelqu'un dit amen, hein? Donc la pauvreté, c'est l'incapacité de l'homme à faire preuve de prouesse mentale, d'utiliser ses dons, ses capacités pour produire. Allez, alors que toi, tu es chrétien, le Seigneur a restauré ta vie. Amen. Le Seigneur, oh yes, tu peux faire appel au Saint-Esprit. Tu peux faire appel à l'esprit d'intelligence, à l'esprit de sagesse, à l'esprit de connaissance du Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Dis avec moi, je suis riche. Dis-lui, je suis riche. C'est pas toi, c'est pas ton cas, bien-aimé. Toi, tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, tu n'es plus la même personne. Tu es une personne particulière. Tu es riche. Dis avec moi, je suis riche. Dis-le bien. Faut pas avoir peur. Dis-le avec conviction. Faut dire, je suis riche. Je suis une personne riche. Tu es très riche. Alléluia. Amen. Il dit, toi, tu es riche. Tu es né riche. Quand tu es né de nouveau, bien-aimé, tu es devenu riche. Qui croit que Dieu est riche? Qui croit que Dieu est riche, hein? Dieu peut mobiliser tout ce qu'il veut pour atteindre sa volonté, n'est-ce pas? Allez, Dieu est riche, il est riche de tout. Voilà, ok. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un enfant de riche, pauvre? Non. Non, répondez bien. Non. Voilà. Donc, si tu es enfant, qui est enfant de Dieu ici? Il y en a même qui se doutent qu'ils sont enfants de Dieu. Je ne sais pas si ils sont enfants ou bien ils ne sont pas encore enfants. Ok, si tu es enfant de Dieu, est-ce que Dieu est riche? Oui. Non, lève la main, est-ce que Dieu est riche? Alors, donc par logique, pour parler comme Socrate, il dit l'homme est un mortel, Socrate est un homme, non Socrate est quoi? Un mortel, amen. Ok, Dieu est riche, je suis enfant de Dieu, donc je suis riche. C'est tout. Amen. Ça mérite une acclamation. Faut accepter ça, faut accepter. Écoutez, beaucoup de gens n'acceptent pas, hein. Beaucoup de chrétiens n'acceptent pas. Ils n'ont pas encore accepté. Ils aspirent à la richesse, mais ils n'ont pas encore accepté. Donc vous voyez, il y a une sorte de lutte et de combat à l'intérieur. Il veut, mais il n'a pas encore accepté. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que je ne suis pas en train d'aller dans le monde? Est-ce que ce n'est pas Chanel? Tu n'es pas Chanel, tu es riche. Amen. Ton père est très riche. Et il a aussi enrichi ses enfants. Amen. Parce qu'il les aime. Dieu t'aime. Amen. Regardez, la Bible nous parle d'Abraham. Et quand la Bible parle d'Abraham, il ne dit même pas Abraham était son enfant, il dit Abraham était son ami. Mais Dieu a rendu Abraham quoi? Riche. Plus que les rois. Regardez. Genèse 24, verset 1. Abraham, lisons ensemble. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Vous voyez, non? En son temps, Abraham était encore plus riche que les rois de son époque. Quand le roi de Sodome lui a dit, prends les richesses, il dit non, je ne prends rien. Dieu m'a déjà enrichi. Amen. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui enrichit, t'enrichisse au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Bien-aimé, écoutez, ce que Jésus a laissé temporairement, c'est-à-dire ce qu'il a laissé au ciel pour venir être pauvre sur la terre, a plus de valeur qu'une richesse matérielle. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Tu peux mobiliser. Oh yes, que bro ça. Les richesses que Christ a abandonnées temporairement, bien aimé, pour toi et moi, sont des richesses célestes, des richesses spirituelles. Amen. Donc, écoutez, tu ne dois manquer de rien. Amen. On va voir que le plus souvent on manque parce que, bien aimé, c'est maman qui est notre Dieu, c'est pas Dieu qui est assis au ciel. C'est pourquoi quand tu manques un peu, tu es inquiet. Quand la fin du mois arrive, ton cœur bat. Mais ton cœur bat pourquoi? Si Dieu dort dans la maison, pourquoi toi ils vont te chasser? Amen. J'ai pas entendu toi, amen. Dieu ne permettra jamais qu'on te chasse. Quelqu'un dit amen. Amen. Il dit, je me tiens ici, je déclare, Dieu ne permettra pas qu'on te chasse. Amen. Il va trouver toujours une solution au problème auquel tu es confronté. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc tu n'as pas un problème d'argent ou de richesse, tu as un problème de foi. Donc vous voyez que la richesse dont la Bible parle ici, ce n'est pas une simple prospérité financière. On est d'accord? Vous savez, Jésus est de toute éternité le Fils unique de Dieu. N'est-ce pas? Il a quitté le ciel en tant que Fils unique de Dieu. La Bible dit même qu'il était l'égal de Dieu. Il dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu. Ce n'est pas tout. La Bible dit que non seulement il était égal à Dieu, mais il était égal à Dieu en puissance et en gloire. Et il a laissé tout ça pour devenir comme un simple homme.
pour que toi, en tant qu'homme, tu reviennes dans la puissance et la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est pourquoi les sorciers de ton village ne peuvent pas te tuer. C'est pourquoi les gens qui ne t'aiment pas ne peuvent pas t'ôter la vie. Mais c'est pourquoi personne ne peut te chasser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Personne ne peut prendre un décret sur ta vie. Mais c'est pourquoi les lois de ta famille, bien-aimée, ne te concernent plus. Parce que tu as été replacé dans la gloire et dans la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il dit tout est à toi. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous. Tout est... Toute la richesse de ce monde t'appartient si tu es né de nouveau. Qui est né de nouveau ici? Quand je lève la tête, je vois seulement des gens qui sont nés de nouveau. Alléluia. Tout est à toi. C'est pourquoi je vais déclarer ce matin. Si quelque chose te manque, kabosa, que l'ange que Dieu a commissionné pour te surveiller, te garder, que les anges, le bonheur et la grâce, oh yes, t'amènent ce qui te manque au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, un chrétien, ce n'est pas un être ordinaire. C'est un être extraordinaire. Tu n'es pas un être ordinaire. C'est pourquoi il ne faut pas dire n'importe quoi de ta bouche. Parce que ce que tu dis là, c'est ce qui va arriver. Si ça ne va pas dans ton travail, il ne faut pas dire, ah, moi je ne comprends pas, les gens mettent ça contre moi. Non, il faut déclarer que moi, dans ce lieu, partout la plante de mes pieds foule, Dieu me donne ce lieu en possession. Donc personne ne peut m'exclure de ce lieu, c'est tout. Pendant que je suis en train de prêcher, je sens dans mon esprit que les chaînes sont en train d'être brisées. Bien aimé, que les liens sont en train d'être coupés. Alléluia, que l'ignorance fuit de ce lieu. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, si tu acceptes ces vérités dans ton esprit, tu vas permettre à ces vérités de dominer ta pensée. Et ça va te donner une nouvelle mentalité. Il te sera impossible d'opérer dans le manque. Non, il ne faut pas pleurer. Quelquefois, les gens qui me connaissent, quand ils me voient, ils me disent, mais comment tu fais pour être serein? Mais parce que je sais que s'il y a un problème, Dieu peut mobiliser tout pour régler le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui croit que Dieu peut tout mobiliser pour lui? Hein, c'est tout. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un au lieu. Ma fille, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Non. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Connais le Seigneur, c'est tout. La Bible dit que Dieu tient le cœur des rois et puis les incline partout où il veut comme un courant d'eau. Je prie que cela soit ta portion. J'ai dit, je prie que cela soit ta portion. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, en étudiant la parole de Dieu, tu découvres les richesses de ton héritage en Christ. Donc il faut arrêter de croire aux mensonges du diable qui dit qu'il faut être pauvre pour aller au ciel. Amen. Le mensonge te dit que les pauvres iront en enfer. Ça, c'est un mensonge de Dieu. C'est faux. C'est pas vrai. On est d'accord? La pauvreté n'est pas la condition pour aller au ciel. C'est la foi en Jésus-Christ qui est la condition pour aller au ciel. On est d'accord? Alors, quand la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux pauvres, ce n'est pas les pauvres qui se promènent dans la rue ici-là. Non. En fait, vous savez, le pauvre a une disposition qui ressemble à ceux qui vont au ciel, c'est tout. La disposition du pauvre que le Dieu aime, c'est quoi? C'est que le pauvre, c'est un nécessiteux. Tous ceux qui viennent à Dieu comme des nécessiteux, ils obtiennent le royaume. C'est tout. Dieu a besoin des gens qui sont quoi? Nécessiteux du royaume, c'est bien. Qui est nécessiteux du royaume ici? Qui a faim et soif du royaume de Dieu? Qui a faim de rencontrer le Seigneur? Qui veut voir Dieu vis-à-vis? C'est toi qui vas aller au ciel. Le psalmiste a dit, oh yes, comme la biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. J'ai soif de toi, ô Seigneur. Vous savez, la biche a une particularité. La biche a de très grandes soifs. Chaque fois que la biche a soif, la première chose qu'elle fait, c'est de chercher un point d'eau. Quand elle en trouve pas auprès d'elle, elle commence à faire quoi? À courir. Elle court de toutes ses forces. Si au bout d'un moment, la biche n'arrive pas à voir de l'eau, automatiquement, elle s'arrête. Elle commence à elle tremble, elle tombe, elle commence à gésir et puis elle meurt. Tellement sa soif est grande. Donc le psalmiste compare sa soif de Dieu à la soif de la biche. Bien aimé, ce sont les nécessiteux, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à tendre la main au royaume. C'est eux qui vont aller au ciel. Sinon les pauvres qui se promènent ici, orgueilleux là, c'est pas eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller au ciel ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller au ciel ici? Oh, je suis le premier de ceux qui vont aller au ciel. Dis avec moi, il faut dire je suis le premier de ceux qui vont aller au ciel. Amen. Mon âme a soif de toi dans une terre aride et desséchée. Dis avec moi, je suis riche. Il dit, car vous connaissez la grâce. On peut avoir encore le 2 Corinthiens 8, 9. Il dit, car nous connaissons
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par ça, oui, vous fussiez enrichis. Bien-aimé, c'est quoi la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Demande à ton voisin, il faut dire c'est quoi la grâce. S'il ne peut pas te répondre, il faut me demander à moi. La grâce signifie faveur obtenue sans effort. Je répète, et la grâce signifie faveur obtenue quoi? Sans effort, c'est-à-dire sans performance. Je me suis battu pour avoir la grâce. Non, on ne se bat pas pour avoir la grâce. La grâce signifie faveur obtenue sans mérite. C'est-à-dire, ce n'est pas acquis. Il n'y a pas de mérite. La grâce signifie faveur obtenue sans qualification. Tu n'es pas qualifié, mais c'est toi que Dieu met là-bas. Mais en fait, bien-aimé, Dieu ne te met pas là-bas. Oh yes. Dieu ne te met pas là-bas parce qu'il veut te mettre là-bas. Non, c'est aux yeux des hommes que tu n'es pas, mais aux yeux de Dieu, tu es qualifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, la grâce n'a rien à voir avec tes efforts personnels. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit, je prie que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui enrichit, repose sur toi. Qu'une grande grâce repose sur toi. J'ai dit, la grâce n'a rien à voir avec tes efforts personnels. La grâce ne dépend pas de l'homme. La grâce dépend de Dieu. On est d'accord? C'est une aide de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un don gratuit. Il dit, car le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est une grâce. C'est un cadeau de Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas t'arracher ta grâce. Pourquoi? C'est un cadeau que Dieu m'a donné. Ce n'est pas lui qui a donné. Comment il peut arracher? Je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Les catabras, c'était les brossards. Vous savez, quand tu vas vers le Seigneur, il ne faut jamais aller en présentant tes diplômes, en présentant ton background, en présentant ton nom, en présentant tes acquis. Non. Il faut partir, bien-aimé, comme quelqu'un qui n'a rien, qui s'attend à recevoir tout de la part du Seigneur. Quelqu'un dit amen. Lève tes deux mains, dis Seigneur, fais-moi grâce ce matin. J'ai pas entendu. La grâce, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la manifestation de la capacité divine dans une situation d'incapacité humaine. Incapacité humaine. Quand tu regardes à gauche, à droite, tu es incapable. Tu ne sais pas vers qui te tourner. Tu ne sais pas à qui te confier. Tu ne sais pas comment faire. Alors une capacité divine vient reposer sur toi. Bien aimé, il y a certains parmi vous ici, vous attendez à Dieu pour une réponse favorable pour quelque chose que vous avez demandé au Seigneur. Laisse-moi te dire, Dieu regarde, il sait que personne ne peut t'aider si ce n'est pas lui. Ce matin, Dieu envoie ses anges aller frayer le chemin pour toi. Préparer les choses pour toi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen ce matin. Tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Non, il y a un ange de Dieu qui va te précéder sur le chemin pour ouvrir la porte pour toi. Écoutez, quand la grâce s'exprime, les protocoles s'estompent. Ça dit, ça n'existe plus. Je dis, quand la grâce s'exprime, les protocoles font quoi? Vous savez, si tu doutes, il faut demander à la reine Esther. On dit, pour entrer, je vois le roi, bien-aimé, il faut que le roi fasse quoi? T'a demandé. Si le roi ne t'a pas demandé que tu viens le voir, il faut qu'il te tende son cèpe pour que tu puisses entrer dans sa présence. Dans le cas contraire, on coupe ta tête. Mardochée demande à Esther d'aller voir le roi. Le roi n'a pas d'audience avec Esther. Bien aimé, dans une situation pareille, ce n'est pas une affaire de je suis belle ou je suis la femme du roi, parce que le roi il a beaucoup de femmes. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Quand elle est entrée, bien aimé, dans la présence du roi, le roi l'a vu naître, son sourire était là. Et il a tendu le sceptre, que cela soit ta portion. Tu vas apparaître là où on ne t'attendait pas. Je dis, tu vas apparaître là où on ne t'attendait pas. Quand la grâce est en mouvement, les protocoles s'arrêtent. Il faut connaître telle personne pour connaître telle personne pour avoir telle ouverture. Mais toi, tu ne connais personne, mais tu es là-bas. Dis à ton voisin, faut dire, moi, je ne connais personne, mais je suis là aussi. Que cela soit ta portion. Je dis, que cela soit ta portion. Bien aimé, quand la grâce s'exprime, les lois naturelles sont brisées. Les lois naturelles sont quoi? Brisées. Et si tu doutes, il faut demander à Abraham. Bien-aimé, une femme, quand elle approche 45 ans, c'est la ménopause. Si à 50 ans, elle n'est pas encore ménopausée, gloire à Dieu en tout cas. Allez, mais Sarah avait combien? 90 ans, ça dit deux fois ménopausée. Elle dit ménopausée, sont collées. Selon la loi naturelle de la procréation, Sarah ne peut pas tomber enceinte. Les catalabrassa. Mais vous savez, oh yes, quand Dieu a fini de parler à Abraham,
Abraham dit, Sarah, tu es où? Bien aimé, cette semence qu'a produit Isaac là, ce n'est pas la semence d'Abraham, c'est la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, quand la grâce s'exprime, les lois naturelles s'arrêtent. On dit, tu ne peux pas, mais je suis venu te dire que la grâce va te rendre capable. Je dis, la grâce te rend capable. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, quand la grâce bien-aimée parle, les diplômes deviennent obsolètes, inutiles. Je vous dis la vérité, inutiles. Si tu doutes, demande à Pierre. Vous savez, Pierre était un expert en pêche. Pierre était le président de l'association des pêcheurs de Génézareth. Bien-aimé, Pierre connaissait plus en pêche que Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, c'est quoi? C'est un sauveur des hommes. Il n'est pas pécheur. Les katas là-bas au sang. Mais Jésus, bien-aimé, est le maître des temps et des circonstances. En temps normal, demandant n'importe quel pêcheur, c'est la nuit qu'on va à la pêche. C'est pas la journée. Parce que la journée, les poissons vont dans les eaux profondes. La nuit, ils sortent des eaux profondes pour venir chercher à manger. Oh yes. Mais quand la grâce parle, bien-aimé, ce qui est naturel, ce qui est normal devient anormal. Ce qui est logique devient quoi? Illogique. Jésus a dit à Pierre, jetez vos filets en profondeur. Pierre dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais comme tu as parlé, ce matin je suis venu dire à quelqu'un, rebosa, le katalabasa. Oh yes, là où tu as échoué, là où on t'a dit non, dans ce même endroit là, la grâce de Dieu repose sur toi. Tu vas aller, on va te dire oui. Quelqu'un dit amen. Et dans ce même, ceux qui t'ont dit non, tu as rencontré des gens qui t'ont dit non, ils t'ont dit c'est pas possible, ils t'ont dit non, on peut pas le faire. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Bien aimé, ces mêmes personnes là, ils vont te rappeler. Quelqu'un dit amen. Hein? Regardez, quand Jésus a dit à Pierre, va jeter le filet, il n'est pas allé ailleurs, c'est dans la même eau où il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il a travaillé les jours précédents sans rien prendre. Il a travaillé encore les jours précédents sans rien prendre. Il n'a pas eu besoin de changer de localisation. Mais bien aimé, cette fois-ci, Pierre n'allait pas simplement. Pierre allait avec la parole de Dieu. Or, la Bible déclare que toute chose a été créée par la parole. Donc, même s'il n'y avait pas de poisson dans cette eau, parce que Jésus a parlé, les poissons allaient venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est pourquoi tu dois venir entendre la parole. Tu dois venir soumettre ta vie à la parole. La parole de Dieu qui sort, même s'il n'y a pas d'opportunité, elle va créer les opportunités pour toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Je déclare que Dieu t'offre des opportunités. Dieu t'ouvre des portes d'opportunité. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la grâce de Dieu est trinitaire. Quand on parle de trinité, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le... La grâce vient de Dieu, elle provient de Dieu. Elle est reçue en Jésus-Christ. Allez, et puis elle est opérée par le Saint-Esprit. Qui a reçu Jésus ce matin? Donc, bien-aimé, oh yes, si tu as reçu Jésus ce matin, alors la grâce de Dieu repose sur toi. C'est par la grâce que nous avons été élus. C'est par la grâce que nous avons été appelés. C'est par la grâce que nous avons été justifié. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. C'est par la grâce que nous avons été glorifiés. Bien-aimés, toutes ces choses, c'est par la grâce. Calama. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas d'un homme. Amen. C'est pas les œuvres. C'est parce que tu as fait ceci. C'est parce que tu as fait ça. Non. C'est la grâce de Dieu. Vous savez, il y avait deux personnes qui sont allées prier au temple. Il y avait un publicain et puis il y avait les pharisiens, les gens de Jésus, les scribes là. Et puis la Bible dit que le publicain, le pharisien, le lévite, il est là, il dit au Seigneur, tu sais que moi, je suis un homme juste, je paye ma dîme, je ne trompe pas ma femme, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Et puis voici le publicain, il dit au Seigneur, qui suis-je? Seigneur, qui suis-je? Seigneur, qui suis-je? J'ai soif, je n'ose même pas lever la tête pour te regarder. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu te lèves souverainement au-dessus de tout, Seigneur. Je suis venu en ta présence pour obtenir la grâce de Dieu. Ta grâce, Seigneur. Vise, oh yes, Seigneur, ne regarde pas mes péchés, ne regarde pas à tout ce que je fais, ne regarde pas ma vie. Je suis un homme, je suis plein de faiblesses. Seigneur, viens à mon secours. Ah, là, Jésus dit que des deux là, celui qui est reparti chez lui justifié, c'est celui qui ne s'est pas reposé sur ses mérites, sur ses galons, sur les choses qu'il peut faire. Moi, je suis venu à l'église, mais je ne suis pas un pécheur, moi, je ne fais rien. Ainsi, tu sais que moi, j'ai jamais trouvé ma femme, je suis, on s'en fout de ça. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de la grâce de Dieu. Par la grâce, nous sommes pardonnés. Par la grâce, nous sommes sanctifiés. Par la grâce, nous sommes libérés du pouvoir de péché. Par la grâce, nous sommes héritiers. Par la grâce, nous adorons Dieu. La grâce de Dieu est grande et suffisante. Quelqu'un dit amen. Elle est infinie, elle est souveraine, elle est glorieuse, elle est surabondante, elle est disponible. Ce matin, je t'annonce
que la grâce de Dieu palpe toi ce matin. J'ai dit la grâce de Dieu palpe toi ce matin. Elle palpe toi ce matin. Vous savez, chaque fois que Dieu permet qu'on aborde un sujet, c'est parce que Dieu veut mettre l'emphase sur ce sujet dans ta vie. Quelqu'un ici a besoin de la grâce de Dieu. Tu penses que ce sont tes prières, ce sont tes efforts, c'est ton argent que tu donnes, c'est les choses que tu fais. C'est vrai, c'est bon tout ça. C'est la grâce de Dieu qui va t'amener là où tu veux aller. Quand tu te regardes normalement, tu ne devrais pas être là où tu es en ce moment. Tu ne devrais pas avoir le niveau que tu as. Mais tu n'as pas remarqué que tous tes efforts là, les résultats sont maigres. Tu n'as pas remarqué ça? Mais change. La grâce de Dieu cherche la tête de quelqu'un, celui qui se reposait ce matin. Il faut dire c'est moi, il faut dire Seigneur c'est moi. Il dit la grâce de Dieu cherche la tête de quelqu'un, celui qui se posait ce matin, se posait ce matin. Mets ta main sur ta tête. Il faut dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Que la grâce se pose sur toi. Il dit que la grâce de Dieu se pose sur toi. La grâce c'est pas pour toi seul, la grâce c'est pour nous tous. Il n'y a pas d'exception à la grâce, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de discrimination. La grâce pour s'enrichir est relâchée ce matin. Je dis je la relâche ce matin. Bien aimé, sans la grâce de Dieu, écoutez-moi bien. Sans la grâce de Dieu, il est impossible pour un chrétien de s'enrichir financièrement. Sans la grâce, c'est impossible pour un chrétien de s'enrichir financièrement dans ce monde. Ça, je peux te regarder droit dans les yeux et te le dire. C'est impossible. Parce que, écoutez-moi attentivement. Entrer dans le domaine de la richesse, entrer dans la prospérité financière, c'est envahir le territoire de Mammon. Quelqu'un dit avec moi Mammon. Je n'ai pas entendu, hein. Envahir le territoire de Mammon. Quelqu'un m'a dit, mais Mammon, là, c'est qui encore? Vous savez, l'argent. Hein, l'argent. Voici l'argent ici. Amen. Des billets de banque, des billets de 10 000. Il dit, entrer dans le domaine de la richesse, entrer dans le domaine de la prospérité financière, c'est envahir le territoire de qui? Mammon. Oh, la Bible dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans l'avoir lié auparavant. Mais c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont pauvres. Il faut ouvrir tes oreilles, il faut bien écouter ce qu'il a dit ce matin-là. Ça peut te conduire toute ta vie. Et ça va te conduire toute ta vie. Écoutez, l'argent n'est pas simplement une chose matérielle. Ce n'est pas simplement du matériel. L'argent, c'est avant tout une chose spirituelle. Il dit, l'argent est quoi? La vie même est spirituelle ou bien? Voilà. L'argent tient ce monde dans sa main. Vous n'avez pas remarqué ça? Dis-moi, qu'est-ce que ce monde-là serait sans argent? C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, 24. Je veux qu'on lise ensemble. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je pensais que tu allais crier plus que ça. Vous savez, le mot Mammon même. Mammon, c'est un mot araméen. Araméen, l'araméen, c'est la... C'est, comment je peux dire ça? C'est la langue... maternelle de Jésus. La langue maternelle de Jésus. Ça veut dire argent, ça veut dire richesse. Mammon veut dire argent, veut dire richesse. Mais ça, ce n'est que le mot. Parce que mammon, c'est plus que de l'argent. Dans certaines versions, même, vous allez voir, on dit vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Il y a des versions où on ne peut pas servir Dieu et... On dit remplace mammon par argent. Mais mammon, c'est plus que de l'argent. On est d'accord? On est d'accord? Voilà, il dit, regardez, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un, il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un. Hein, je prêche avec vous, hein. Et puis il fera quoi? Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc vous voyez qu'ici, Jésus fait quoi? Il personnifie l'argent, la richesse, il personnifie. Personnifier, ça veut dire quoi? Voilà, ça dit, ce n'est plus une chose, mais c'est quoi? Une entité. Comme je l'ai dit, pourquoi il fait ça? Parce que mammon, c'est plus que l'argent. Écoutez, le diable est le prince de ce monde. Ça, je l'ai déjà expliqué ici mille fois. Et l'entité dans le royaume des ténèbres, bien aimé, qui est en charge de la finance dans ce monde, c'est mammon. Autrement dit, plus simplement, mammon, c'est le ministre des finances de Satan. C'est tout. Il est le ministre des finances, c'est tout. On est d'accord? Mammon, c'est une entité établie par Satan pour contrôler la richesse dans le monde. Mammon, c'est l'un des trois princes des enfers, soumis uniquement à Satan.
il contrôle le monde. Attends, quand tu as un ministre qui occupe un poste, dans les, parmi les ministères, là, les, tous les ministères n'ont pas le même poste. N'ont pas la même valeur. Il y a des ministères stratégiques, on ne donne pas à n'importe qui. Aux fidèles des fidèles. On est d'accord? Donc, Mammon est le dieu de l'argent dans ce monde. Mammon est l'esprit satanique et démoniaque qui contrôle l'argent dans le monde. Mammon est le démon de l'avarice et de la cupidité. Dimanche, on a vu l'avarice, non? Et la cupidité. C'est le démon. Si vous voyez quelqu'un qui est avare, Mammon le possède. Vous voyez quelqu'un qui est cupide, Mammon est son chef. Donc, il faut regarder ton voisin, il faut le surveiller. Depuis, on est assis là. Le pasteur parle, mais il ne fait pas offrande. Il est assis, il est cupide. On dit, voisin, on était un peu cupide. Hein? Mammon est un démon qui a une très grande influence sur la terre. Vous savez, écoutez-moi bien. Quand il dit démon là, c'est vague. C'est comme dire chrétien. Chrétien, c'est vague. Hein? On dit c'est une chrétienne, mais tu as un nom, n'est-ce pas? Écoutez, quand le diable est descendu avec un tiers des anges. Donc, quand on dit mammon là, ce n'est pas un démon commun qui se promène dans les quartiers, non. C'est un ange déchu. Comme le diable lui-même, il contrôle la richesse dans le monde. Si vous vous souvenez, Jésus a dit à Satan a dit à Jésus, la Bible qu'il a pris et puis il lui a montré toutes les richesses de la terre et leur gloire. Il dit, tu vois, non, tout ça, ça m'a été donné. Si tu te prosternes et m'adores, je te donne ça. Jésus a dit, celui qu'on doit se prosterner et adorer, c'est Dieu. Donc la richesse là, bien aimé, ce n'est pas l'intelligence qui donne la richesse, c'est l'adoration. Qui tu adores, Mammon ou bien Dieu? Ne lui a pas dit, si tu es intelligent, tu as des diplômes, je te donne toutes ces richesses. Il dit, si tu te prosternes, il fait quoi? Et m'adore. Il y a des gens qui adorent Dieu, mais il y a un pied. On dirait le deuxième pied, mais veut venir chez maman. Amen. Sois délivré ce matin. Il est soit délivré ce matin. Amen. Écoutez, maman, c'est un démon puissant. Maman est très puissant. Il influence toute la terre. Vous savez, maman, on représente maman par un veau. Vous voyez d'où vient le veau d'or? C'est un dieu. C'est pourquoi il a influencé Aaron et les autres pour qu'on fasse un veau d'or. Il a dit, c'est l'or, c'est l'argent. Adorez-moi. Mammon est représenté par un veau. C'est pourquoi si vous allez aujourd'hui sur la place de Wall Street, vous allez voir que devant Wall Street, il y a une place où il y a la statue d'un veau. Qui a déjà vu ça? Informez-vous, hein, les chrétiens, informez-vous. Esprit d'ignorance, sors de ce lieu. Tu es vaincu. Toi qui veux t'emparer des chrétiens, tu es vaincu. Sors. Et dans le monde des occultistes, c'est un veau. Faites très attention. Écoutez, il y a des choses subtiles. Peut-être qu'un jour, je pense qu'un jour, je vais prendre le temps d'expliquer certaines choses. Écoutez, même ce que vous voyez à sur Internet, on dit des goats. Il ne faut pas mettre ça sur ton truc. Hein. Goat là, ça veut dire quoi? Cabri, bouc. Dans les ordres mystiques, le diable. Je n'ai pas dit de non, ça veut dire ordre mystique. Je n'ai pas dit de non, on me dit que non, le pasteur, tu as dit que. Non. Dans les ordres mystiques, il y a des pactes que quand tu veux faire, c'est-à-dire le plus haut niveau là, le diable s'incarne dans un bouc. Et puis, tu fais quoi? Échange du sang, transfiguration. Et puis maintenant, tu deviens son serviteur. Donc, on met goat, great of all time. C'est faux, hein? Il ne faut pas aller mettre aussi son truc, oui, c'est goat. Moi, je ne suis pas goat, c'est Jésus. De façon subtile. Moi-même, je suis là. Dès que j'apprends que tu es dans l'occultisme, je ne like pas ta page. D'ailleurs, je ne like pas les pages. Donc, je n'ai pas liké ta page pour que tu sois mon ami, jamais. Parce que même liker une page, il y a une connexion. C'est une façon de dire, je suis d'accord avec ce que tu fais. Tu peux venir dans ma vie. Donc, vous comprenez pourquoi dans le désert, tout l'or que Israël a reçu, bon, pas tout, mais la Bible dit que c'est simplement les boucles d'oreilles. Que Israël a reçu en Égypte ont été transformés en quoi? En veau d'or. Vous savez, pour ceux qui ont pratiqué l'occultisme, ils vous diront, le diable a l'art de tourner en dérision tout ce qu'on fait dans la maison, tout ce que Jésus a fait. Est-ce que vous savez que même la Sainte-Seine comprend, il y a une Sainte-Seine satanique démoniaque. Même le jour de la Pâque, où on célèbre la mort et la résurrection de Jésus, le diable aussi fait immoler des gens. C'est-à-dire, il veut tourner en dérision tout ce que Dieu a fait. D'ailleurs, même il fait croire aux hommes que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Si vous entendez les thèmes, le destructeur, quoi encore? Le sommet de l'Himalaya, des choses comme ça, faites attention. C'est le diable derrière. Sommet des sommets, faites attention.
Donc Mammon est à l'origine, bien aimé, de l'amour immodéré de l'argent. C'est lui qui crée dans le cœur des hommes le désir de posséder toujours plus, toujours davantage. Il incite les hommes à vivre, bien aimé, complètement dépendant de la richesse. Il y a des gens là, bien aimé, oh yes, que bro ça, les kata là-bas ça. Si se réveille un matin, que la banque où leur argent est fermé parce que la banque a fait faillite, bien aimé, eux aussi, leur cœur va s'arrêter. Pourquoi? C'est la banque qui est fermée, mais Jésus n'est pas fermé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça qui fait la différence. Notre richesse, elle n'est pas seulement l'argent matériel. C'est aussi, bien aimé, des richesses spirituelles. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce matin? Ça passe? Ok. Donc, c'est pas moi qui fait que... Il y a beaucoup de gens, tout tourne autour de ce qu'ils vont accumuler. L'argent qu'ils vont avoir. Il faut que j'ai l'argent. Il y a des gens même ici, là. Dès que je parle de servir Dieu, ils sont fâchés. Ah, non, on doit gagner l'argent. Il faut qu'on gagne l'argent. Toi, gagne l'argent pour aller où? C'est ça. C'est pas pour servir Dieu. Réponds, c'est pas pour servir Dieu. Hein? Donc, Jésus parle de Mammon et puis Jésus désigne Mammon comme un maître. Mais parce qu'il est un maître. Je vous ai dit que, bien aimé, l'argent tient le monde dans sa main. On est d'accord? Là, on a lu Matthieu 6, 24. On lit encore Luc 16, 13. C'est la même chose. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera. L'un méprisera. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bien aimé, qui est ton maître? Demande à ton voisin, qui est ton maître? Dieu ou Mammon? Dieu ou l'argent? Il faut le demander, Dieu ou l'argent? Écoutez, Jésus nous met devant un choix. Nous devons choisir entre un maître. Il y a des gens, dimanche, venir à l'église. Non, c'est trop leur demander ça. Mais lundi, à 6h, ils sont au travail. Mardi, 6h, 7h. Mercredi, jusqu'à même samedi, quelquefois ils vont au travail. Mais dimanche, venez à l'église, non, c'est trop le demander. Bien aimé, si je te demande qui est ton maître, tu as dit non, c'est Dieu, tu mens. C'est l'argent, c'est Mammon. Mammon te fatigue. Tu as besoin que Mammon soit chassé de ta vie. Et cabros, ça. En tout cas, pas dans cette église. Donc, on peut pas avoir deux maîtres. Soit c'est Dieu, soit c'est Mammon. Donc, il dit qui est ton. Réponds, il ne faut même pas t'empresser de répondre. Vous savez, dans la vie, nous sommes tous des esclaves. On est toujours esclaves. Dans la vie, on est toujours esclaves. Je vous ai dit que l'esclavage, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça dépend de qui est le maître. Si c'est Satan qui est le maître, c'est très mauvais. Si c'est Dieu qui est le maître, c'est la liberté. Qui est esclave de Dieu ce matin? Qui est esclave de Dieu? Je suis fier d'être esclave de Dieu ce matin. Est-ce que je parle à des esclaves de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des esclaves de Dieu ici ce matin? J'attends pas toi, amène là. Esclave de Dieu. Dis esclave de Dieu. Dis-le bien. En le disant, tu chasses maman. Faut dire esclave de Dieu. Nous sommes esclaves de celui que nous écoutons. Nous sommes esclaves de celui que nous suivons. Nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Nous sommes esclaves, bien-aimés, de celui à qui nous décidons de nous soumettre. Nous sommes esclaves de celui que nous choisissons de servir. On est toujours esclave, mais ça dépend qui. Mais un maître, plutôt, mais un esclave ne peut pas avoir deux maîtres. Vous savez, un homme peut être employé, peut avoir deux employeurs. Un homme peut avoir deux employeurs, mais un esclave ne peut pas avoir deux maîtres. Ce n'est pas possible. Donc Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, parce qu'on finit toujours par trahir l'un au profit de l'autre. Donc il faut faire attention, hein, tu risques de faire quoi? De trahir Dieu au profit de. Il y en a même, il reste un peu. Faut faire attention. Tu risques de faire quoi? Trahir Dieu au profit de qui? Et la Bible dit que personne n'est rassasié par l'argent. Si tu aimes l'argent, tu ne seras jamais rassasié par l'argent. On est d'accord? Il n'y a rien qui n'aime pas ce qu'ils sont en train de prêcher, mais ça, c'est ton problème. Qui est ton maître? Qui est-ce que tu sers? Tape ton voisin, tu sais qui? Tu es sûr? Faut lui dire, tu es sûr? Dieu ou? Donc Jésus nous met devant un choix. On doit choisir qui servir. Dieu. J'ai dit, on est esclave de celui que nous choisissons de servir. Donc, on ne peut pas servir les deux en même temps. On choisit un. Et je suis sûr que si on veut être honnête, bien aimé, très souvent on sert Mammon. Dieu, pardonne-nous en tout cas, pardonne-nous. Il y a des gens qui n'ont pas de problème tant qu'il faut aller chercher l'argent.
Quelquefois même tu vois le travail qu'il fait par rapport au salaire qu'on lui donne, tu dis ah, comment tu peux accepter ça? Mais n'est qu'à venir à l'église, il faut lui dire, il faut faire quelque chose. Ah, moi je ne suis pas venu ici pour faire ça. Hein. Mais pourtant il va faire Jossi. Tu vois, sa peau me devenir dure. Quoi. Maman, maman te fatigue. Nous chassons maman d'ici. Ouais. Regardez, la plupart d'entre nous, on vit pour travailler, gagner de l'argent, payer des factures. C'est tout ce qu'on fait. C'est pourquoi d'autres font deux boulots, il y en a qui font trois boulots. Si à la fin du mois, les trucs ne sont pas entrés en ordre, ils commencent à transpirer. Seigneur, c'est là maintenant qu'on est le Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur ne répond pas des choses. Il ne t'a pas envoyé. À qui obéis-tu? Tu obéis à qui? Dis-moi, Dieu ou maman? Tu es sûr? Il dit à qui on obéit. Celui à qui tu obéis, tu es son esclave. On est d'accord? Donc, on ne peut pas obéir à deux maîtres à la fois. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. Nul ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un, il aimera l'autre. S'attachera à l'un, il brisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. En fait, ce que Jésus essaie de nous expliquer ici, c'est quoi? C'est qu'il y a deux maîtres établis sur l'argent, c'est-à-dire sur la richesse. Il y a deux maîtres établis sur l'argent et la richesse. Il y a le maître légal, qui est Dieu lui-même. Et puis, il y a le maître illégal, qui a usurpé ce titre, le fossoyeur, qui est qui? Maman. Le maître de la richesse et de l'argent dans le royaume, c'est Dieu. Quand Dieu a créé la terre, Dieu était le maître de la richesse. La Bible dit que l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Quand l'homme a chuté, il y a eu quoi? Un usurpateur. Qui est qui? Satan, maman. Il dit il y a deux maîtres, il n'y a pas trois. Pas plus. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas dix, il y en a deux. Les quebrosa. Bien aimé, celui qui est intéressé par l'argent doit savoir qu'il y a deux maîtres établis sur l'argent. À lui de choisir son maître. Ce matin-là, Dieu t'interpelle. Qui est ton maître? Tape ton voisin, il faut dire qui est ton maître. Tu es sûr? Demande, tu appelles et demande à ton voisin quoi? Demande-lui, il va rien te faire. Tu vas me dire, ah c'est Dieu. Si je regarde à la manière dont, bien aimé, tu emploies ton temps et ton argent, je saurai qui est ton maître. Si les choses de Dieu t'agacent, mais les choses d'argent, tu es intéressé, on dresse Picsou. On sait qui est ton maître. Il dit, qui est ton maître? Dis-moi, qui est ton maître? Chaque fois qu'il s'agit d'acquisition de biens, bien aimé, oh yes, qui est ton maître? Si tu veux t'enrichir, bien aimé, tu dois savoir qu'il y a qui contrôle la richesse. À toi de choisir ton maître. Il dit, quand il y a acquisition de richesse, soit tu as affaire à Dieu, ah là c'est bon. Soit tu as affaire à maman, ah là c'est mauvais. Ah c'est mauvais. Parce que maman rend riche, hein? Souvent même plus riche, plus vite. Pas plus riche, mais plus vite. Plus vite que Dieu. Chap, chap. De là à là. Le problème, c'est que bien aimé, tu peux être un enfant de Dieu et puis ouvrir ton cœur à maman. Fais attention. Ce que je dois vous enseigner là, Dieu a ouvert mon esprit il y a longtemps. Hein? Toujours parle de maman, maman ici, non? Que je vais vous expliquer. Amen. Dieu a ouvert mon cœur. Quand Dieu a ouvert mon cœur, il dit, ouh, Seigneur. Je change de langage, je change de... Oui. Ah oui, tu ne fais pas attention, ce n'est pas Dieu. Mais c'est maman que tu cherches, c'est maman qui est... Et puis lui, il est content. Il ricane. C'est pourquoi une personne qui n'aime pas les choses de Dieu, qui aime que les choses de maman, je ne suis plus ton camarade. Je vais aller au ciel. Quelqu'un dit amen. Il dit quelqu'un dit amen. Écoutez, Dieu n'est pas contre la prospérité. Hein. Non. Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle et financière. Mais Dieu condamne la prospérité matérielle et financière qui vient de maman, que maman donne. Oui, le passage qu'on a lu dans Matthieu 24, c'est ça non? Non, Matthieu combien? Matthieu 6, 24. Vous allez voir que à la suite, Jésus parle de ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, ainsi de suite. Si vous lisez, à la fin, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En fait, il commence par parler de maman et de Dieu. Et maintenant, il explique comment un enfant de Dieu doit vivre dans le royaume. Si ton inquiétude, c'est l'argent, 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 l'argent. Il faut faire attention, maman a pris ton cœur. Un enfant de Dieu ne doit pas être inquiet. Parce que, bien aimé, il est capable. Quand il a un besoin, Dieu peut mobiliser toutes les richesses pour lui. Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? Dieu peut mobiliser. Écoutez, Dieu peut te bénir en utilisant des personnes que tu ne connais même pas.
Oh yes, oh yes, comme cette femme qui avait ses enfants, elles avaient faim. Ils n'avaient pas à manger. Ils avaient fini leur argent, leur dernier repas. Et puis ils ont dressé la table. Elle a dressé la table. Elle a mis ses enfants autour. Et puis ils ont prié le Seigneur. Seigneur, ta parole déclare, tu donnes notre pain quotidien. Quand ils ont fini la prière, quelqu'un frappe à la porte. Quand ils ouvrent, il n'y a personne. Mais il y a des plats de repas partout devant la porte. Dieu peut utiliser toutes les ressources pour te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois riche, mais pas à tous les prix. Non. Donc, quand Jésus parle de maman, il parle de Dieu et de maman. En fait, Jésus parle de servir Dieu et maman. C'est-à-dire c'est choisi entre deux systèmes économiques totalement différents. Ici, de deux royaumes totalement différents. Le système économique de Dieu, c'est faire confiance à Dieu, bien-aimé. Oh yes, pour te bénir. Le système économique de ce monde, bien-aimé, c'est courir après les richesses, courir après l'argent. Bien-aimé, le système économique de Dieu, quand tu reçois l'argent, la première chose que tu fais, tu payes ta dîme, tu fais des offrandes. Alors, Dieu fait quoi? Dieu garantit tes finances, Dieu te protège, Dieu te bénit. Dans le système économique de Satan, l'argent que tu as eu là, c'est trop petit, tu as donné à l'église encore? Non, garde pour toi-même. Et tu vas voir, ton cœur aspire davantage à avoir de l'argent, davantage, et tu cours après l'argent, mais tu n'arrives pas à l'attraper. Alors, ce matin, je lis cet esprit, je brise son pouvoir, j'annule ses œuvres, je te libère de la domination de maman. Si tu veux acclamer le Seigneur, acclame le bien. Donc Jésus oppose deux vies, Jésus oppose deux systèmes de vie, il oppose deux systèmes financiers, il oppose deux royaumes avec chacun ses lois propres. Maman est le Dieu de la prospérité de ce monde. Jésus l'oppose à Dieu qui a fait la prospérité du peuple juif et qui est le Dieu de la prospérité de l'église. Deutéronome chapitre 8, verset 17 et 18. Écoutez, regardez. Il dit, garde-toi de dire dans ton cœur que ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire dans ton cœur. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Kamosa, lebro, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui nous donne la force pour les acquérir. La force ici, on peut la remplacer par la sagesse. On peut la remplacer par l'intelligence. On peut la remplacer par la connaissance. Mais on peut la remplacer par la grâce. On peut la remplacer par l'onction. Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Dieu te donne l'onction pour que tu puisses multiplier ce que tu as. Dieu te rend intelligent, plus intelligent que tes contemporains. Plus intelligent que tes voisins. Plus intelligent que bien-aimé, oh yes, tes collègues. Quelqu'un dit amen. Ah, Dieu te rend plus intelligent, plus sage. Je prie que cela soit ta portion. Quelqu'un dit amen, hein? Et acclame le Seigneur. Je prends autorité sur ta vie. Je déclare que tous les mensonges de maman qui ont été, oh yes, distillés, entrés dans ton esprit et qui t'empêchent de voir la gloire financière de Dieu, quitte ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu n'a pas planté en toi, je les déracine ce matin. Quelqu'un dit amen, hein? Je dis, je les déracine ce matin. Tu vas sortir d'ici, tu seras une personne différente. Tu vas sortir d'ici, tu pourras faire la part des choses. Tu ne vas pas t'inquiéter de manquer. Tu ne vas pas t'inquiéter de ne pas avoir. Tu ne vas pas t'inquiéter, mais au contraire, tu auras la foi que Dieu est avec toi. Tu auras confiance que Dieu est avec toi. Dieu conduit tes pas. Il te dirige vers des eaux paisibles. Il te conduit vers, oh yes, vers de verts pâturages. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça mérite une acclamation. On vit dans un monde où maman contrôle beaucoup de choses. Il contrôle la richesse, il contrôle les acquisitions, il contrôle l'argent. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez que la Bible contient beaucoup de bons conseils sur la gestion de l'argent selon Dieu. Regardez, plus de la moitié des paraboles de Jésus traitent de l'attitude de l'homme vis-à-vis des biens matériels. Vous n'avez pas remarqué? Oui, plus de la moitié. C'est-à-dire il y a 38 paraboles. Il y a 16 paraboles qui parlent de gestion, qui parlent de... Parce que Dieu, Jésus sait que bien-aimé, au final, il y a Dieu et maman. Les hommes sont préoccupés parce qu'ils vont avoir. Comment ils vont acheter une maison, acheter un terrain, comment ils vont faire. Ils ne se préoccupent même pas des choses de Dieu. Avec un homme de Dieu, son témoignage m'a touché. J'étais avec le frère Bolou. Il me disait, fils, je vais t'inviter, tu vas venir à la dédicace du temple. Un papa. Il dit, oui papa, il serait là, il n'y a pas de problème. Il dit, tu sais, il faut qu'il fasse la dédicace du temple. Ça fait combien d'années que j'ai commencé à construire le temple? Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tant que tu n'as pas de temple, moi je n'aurai pas de maison où dormir. Ah, ça c'est un homme de Dieu. Il dit, tant que tu n'as pas de temple, moi. Donc comme ça a duré, le temple est pratiquement fini, je vais faire la dédicace pour que maintenant moi je puisse avoir une maison. Je lui ai dit, papa, tu n'as même pas construit, Dieu va te donner. Je lui ai dit ça, je suis plus jeune que lui, c'est mon père.
mais je sais que Dieu va le faire. Je n'ai même pas besoin de trembler pour prophétiser. Il dit Dieu va le faire. Dieu d'abord. Si tu sais mettre Dieu d'abord, tu vas voir les choses pour lesquelles tu cours là. Tu vas même pas courir pour ça. Dieu va t'envoyer les ressources. Quelqu'un dit amen. Et acclame le Seigneur. Des 38 paraboles, il y a 16 paraboles qui parlent de gestion des biens. Et vous allez remarquer que Jésus parle plus même de biens, d'argent, que du ciel et puis de l'enfer. Oui, que Jésus n'a même pas parlé beaucoup du ciel et de l'enfer. Non. Mais il parle de la gestion. Comment on va faire? Comment? Faut pas faire comme ça. Dieu n'aime pas ça. Fais comme si c'est ce que Dieu aime. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On termine. On va voir rapidement deux mythes courants concernant l'argent. Deux mythes courants. Premier mythe qu'on voit souvent, on dit l'argent est mauvais. N'est-ce pas? Est-ce que la Bible, est-ce qu'on dit couramment, les chrétiens disent l'argent est mauvais, n'est-ce pas? Ok. Un mauvais conseiller. L'argent est mauvais. Bien aimé, c'est pas vrai. L'argent n'est pas mauvais. En fait, même l'argent n'est ni bon ni bien. Non, l'argent n'est pas mauvais. On est d'accord? Je dirais que l'argent est neutre. Mais c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Ce n'est pas l'argent. C'est l'amour de l'argent dans le cœur de l'homme qui est mauvais. L'amour de l'argent dans le cœur de l'homme. Il y a des gens, quand tu les regardes là, dans leur cœur là, ils aiment l'argent plus que Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 9-10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est quoi? Est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont quoi? Égarés, loin de la foi. Se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous savez, malheureusement, le besoin d'argent peut devenir amour d'argent. Les gens ont tellement besoin d'argent qu'on ne fait pas attention. Leur besoin se change en quoi? En amour. J'ai trop besoin d'argent. Ouais. Il peut même tuer pour ça. On a bien dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. On est d'accord? Écoutez, même si l'argent est important, l'argent ne doit pas dicter tes décisions. Écoute-moi bien. Il dit, même si l'argent est important, l'argent ne doit pas faire quoi? Même si l'argent est important, l'argent ne doit pas dicter tes choix de vie. Même si l'argent est important, l'argent ne doit pas dicter tes priorités. Il dit, même si l'argent est important, l'argent ne doit pas dicter ton emploi du temps. Il y a des gens venus à l'église au culte est moins important que quoi? Aller travailler, gagner de l'argent. Il dit, même si l'argent est important, l'argent ne doit pas dicter ta conduite. Même si l'argent est important, l'argent ne doit pas dicter ton comportement. Quelqu'un dit amen. Il dit, même si l'argent est important, l'argent ne doit pas dicter ta vie. Amen. 2 mètres. Quelqu'un dit avec moi 2 mètres. Dieu ou maman. Mais pour un chrétien, il n'y a pas 2 mètres. Hein. Pour un chrétien, il n'y a pas 2 mètres. Ou bien, Jésus a parlé pour la foule. Hein. Sinon, pour toi, là, il n'y a pas 2 mètres. Il y a un seul maître qui est Dieu. Et puis, il y a un esclave, c'est l'argent. C'est tout. Pour un chrétien, il n'y a pas 2 mètres. Il y a l'argent est quoi? Un serviteur. L'adage même dit que l'argent est un bon et un mauvais maître. Un serviteur, ça veut dire un moyen. Un moyen qu'on peut utiliser. Un outil pour servir Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Hein? Donc la richesse même a été conçue pour servir au dessein de Dieu. Dieu va te donner l'argent pour que cela serve les desseins de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si la richesse n'est pas ton serviteur, c'est que la richesse est ton maître. Oh là, je suis sur toi. Hein? Je suis sur toi. L'argent n'est pas mauvais. Mais c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. L'amour de l'argent dans le cœur de l'homme. Il y a des gens, Dieu va leur parler. Là, on est en train de parler d'impact. Dieu va dire, bon, va donner ça à l'église. Il dit, non, mais j'ai des choses à acheter. Je dois acheter telle chose. Je dois acheter ma télé. Non, l'église, ça peut attendre. Il y a des frères là-bas, ils ont l'argent, ils vont donner. Ma télé d'abord. On sait qui est ton maître. Toi, mais c'est pas maman, c'est télé qui est ton maître. Télé. Deuxième mythe. L'argent est la clé du bonheur. L'argent est quoi? C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ce n'est pas vrai. Voilà, on voit. Ce n'est pas vrai. L'argent n'est pas la clé du bonheur. Dieu est la clé du bonheur. Quelqu'un dit amen. Hein? Si l'argent était une garantie de bonheur, bien aimé, les gens les plus riches seraient les gens les plus heureux du monde. Alors que ce n'est pas vrai.
Même les riches ont des problèmes que leur argent ne peut pas résoudre. Souvent même là, les riches là, c'est eux qui ont le plus gros vice. Ils sont dans la drogue, ils sont dans les partouzes. Une seule femme ne suffit pas, il faut 3-4 à côté de lui. Porti, porta, c'est ça même. Mais porti, porta, ça vient d'où? Ça vient de là où les gens ont l'argent. Maman, quelqu'un dit avec moi maman. Quelqu'un dit maman, maman, c'est ça. Si toi tu dis c'est maman, ma voiture, ma chaussure, mon sac, mon. Et toi tu es maman, allez, ça te fatigue. Regarde ce que Jésus dit dans Luc chapitre 12, verset 15. On a vu ça dimanche dernier. Il dit, puis il a dit, gardez-vous avec soin de quoi? Car la vie d'un homme ne dépend pas, fait-il dans l'abondance. Amen. Je vais lire la version Colombe dit, puis il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Parole vivante dit, puis il dit à tous ceux qui étaient là, gardez-vous avec soin de l'avarice, de l'avidité sur toutes ses formes. Ne cherchez pas à amasser des biens, car un homme a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la vie éternelle. Celle-ci ne dépend en aucune manière de ses biens. La version française courante dit, puis il dit à tous, attention, gardez-vous de l'amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Hey, le jour que Dieu décide de venir te prendre, quel que soit l'argent que tu as payé, les médecins ne peuvent pas te soigner. Donc en fait, la finalité de la richesse, c'est quoi? Ce n'est pas d'accumuler davantage d'argent, mais plutôt de permettre à ce que l'argent améliore notre vie. On est d'accord? Donc la richesse ne fait pas le bonheur, mais la richesse améliore, c'est-à-dire participe au bonheur. On est d'accord? On est d'accord? Comme je l'ai dit, la plupart d'entre nous, on travaille, on gagne de l'argent, on paie des factures, c'est tout ce qu'on fait, c'est pas bon. Parce que le but de maman, c'est de nous faire perdre la vision, la mission que Dieu a confié, bien-aimé, à l'argent dans nos mains. Nous fait perdre cela. Dieu veut que l'argent le serve. L'argent doit servir les intérêts de Dieu. L'argent doit servir Dieu. Quelqu'un dit amen. Où se trouve ta confiance? Dis-moi, où se trouve ta confiance? En Dieu ou en l'argent? Réponds. Si tu crois que l'argent est la clé du bonheur, alors ta confiance est placée dans l'argent. Si tu crois que Dieu est la clé du bonheur, alors ta confiance est placée où ça? Donc dis-moi, ta confiance est où? Amen, ta confiance en Dieu. Oh, écoutez, si ta confiance est en Dieu, alors ce n'est pas seulement les richesses matérielles que tu as, mais tu as les richesses aussi quoi? Ah, la Bible parle des véritables, les richesses, les véritables. Il dit les richesses injustes, c'est l'argent. Mais les véritables, c'est ce qui est en haut. Écoutez, si Dieu veut t'utiliser ou Dieu veut te bénir, tu n'as pas besoin que tu passes des heures, des centaines d'heures à transpirer car ton dos va se casser. Non, Dieu peut faire des arrangements pour toi. Ah, tu vas travailler peu, mais tu vas moissonner abondamment. Bien aimé, c'est une malédiction de travailler beaucoup et de moissonner peu. Mais si tu fais confiance à Dieu, Dieu va faire des arrangements pour que tu travailles peu, mais tu moissonnes beaucoup. Bien aimé, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la paresse, je suis en train de vous enseigner la grâce de Dieu. Et je prie que cela soit ta portion. Parce que bien aimé, il dit quoi? Amassez-vous des trésors dans le ciel. Les trésors qui sont au ciel n'ont rien à voir avec ceux qui sont sur la terre. Sur la terre, c'est l'argent, c'est les maisons, c'est les terrains, c'est les voitures, c'est quoi encore? C'est les biens meubles, immeubles et tout ça. Mais bien aimé, au ciel, il y a plus que ça. Au ciel, bien aimé, Dieu peut te donner une approbation divine. Au ciel, Dieu peut envoyer vers toi des gens que tu connais pas, ni d'Ève, ni d'Adam, mais ce sont des ressources qui vont te conduire là où tu veux arriver. Au ciel, bien aimé, Dieu peut envoyer son ange à ton secours. Quelqu'un dit amen. Au ciel, la faveur peut t'accompagner. Au ciel, la grâce peut te donner, bien-aimé, de gagner le cœur de quelqu'un qui sera une ouverture pour toi pour une grande porte. Quelqu'un dit amen. Kalamamo Sata. Ah, nous sommes ici ce matin pour mobiliser toutes les ressources du ciel en notre faveur. Toutes les ressources du ciel, je déclare au nom de Jésus. Si tu as un problème financier en ce moment, j'envoie les anges de Dieu aller chercher l'argent pour toi. Je dis, j'envoie les anges de Dieu aller chercher l'argent pour toi. Si tu as un problème, bien-aimé, à la justice. Ah! Kebababo Sata. Je me tiens ici et je déclare que la grâce de Dieu, ah! Te donne la faveur devant les juges, les autorités, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu défavorise tes concurrents pour te favoriser. Dieu défavorise tes adversaires pour te favoriser. Quelqu'un dit amen, hein? Quelqu'un dit amen, hein? La Bible dit que Israël était en guerre contre les ennemis, n'est-ce pas? La Bible dit que l'ennemi était plus fort, plus armé. Mais pendant que les chars de l'ennemi arrivaient, les anges de Dieu ont enlevé les pneus des chars. Ils ont enlevé les pneus des chars et les chars sont tombés. J'ai dit, Dieu défavorise tes ennemis pour te favoriser.
Vous voyez que les richesses qu'on a sont plus grandes que l'argent, que les billets de banque. Quelqu'un dit amen. Je dis, quel que soit où tu es, quel que soit ce que tu es en train de faire, entreprendre, je déclare que Dieu mobilise les ressources du ciel pour toi. Ce mois est en moi. 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 Tu vas entrer, bien-aimé, avec joie dans Impact 2022. Tu vas entrer avec témoignage dans Impact 2022. J'ai dit, Dieu défavorise tes concurrents pour te favoriser. Dieu défavorise tes adversaires pour te favoriser. Dieu défavorise, bien-aimé, tous ceux qui sont dans le même domaine d'activité que toi pour te favoriser. Ah, ceux qui ont des pouvoirs de décision. Bien-aimé, Dieu envoie son ange leur parler à leurs oreilles. Ton nom, c'est ton nom qui résonne dans leurs oreilles. Je dis, c'est ton nom qui résonne dans leurs oreilles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, ils vont se réveiller avec ton nom. Ils vont se réveiller avec ton nom. Ceux qui ont le pouvoir de décision. Ceux qui ont le pouvoir de décision. Ceux qui ont la touche finale. Ils vont se réveiller avec ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prie que cela soit ta portion. Je dis, je prie que cela soit ta portion. Je dis, Dieu défavorise tes adversaires pour te